passe une entrée maritime soutenue ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est dégagé à variable, une température extérieure à 13 degrés, une température de l'eau à 14 degrés, une marée qui est actuellement en train de descendre, le plein bas est à 11h35 avec des coefficients de 86 sur ce descendant. Le vent est tonne chaud, il s'est déjà renforcé par rapport à ce matin. Il est plein ouest, il y a Saint-Beaufort établi, pas loin d'un petit peu plus. Hein. J'ai relevé du 20 nœuds établi, on commence presque à flirter dans les 23-24 nœuds, ça commence à souffler. Les moutons sont partout sur le plan d'eau. Et on a une houle qui, poussée par le vent, qui est à la hausse. Une houle longue de 13 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest, qui est en vrac, qui donne du 2 mètres en déferlement régulier sur les séries à 2,50. Voilà, c'est en vrac, c'est pourri, c'est pas praticable, spot exposé, c'est pas praticable, spot de repli. On peut ranger la planche à vagues et sortir les ailes, car l'évolution pour le reste de la journée n'est pas favorable avec du vent qui va se renforcer et de la houle qui va suivre le vent et se renforcer elle aussi. La bouillard cachant Gascogne pour le moment dans les 4 mètres et 8 secondes. On attend à 13h 2,50 à 3 mètres. Houle ouest-nord-ouest à ouest avec 13 secondes de période, en ouest-sud-ouest à un bon Saint-Beaufort. Et à 17h 3 mètres, 3 mètres 50, 2. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 13 secondes de période, en ouest-sud-ouest 5-6. Le surf on oublie, ou alors il faut se déplacer, et sinon des conditions pour du kite. Attention à la mer dangereuse. Prochain point à 11h30.